Maintenant, buvez à ma santé. Ma parole, il est timide, ce grand gaillard. Vous allez aussi baiser ma chaussure. Comme ça, tout sera parfait. Tu t'embrasses, Guy, là? Ton soulier ou sa peau? OK, c'est beau. Deux, trois petites choses. Si vous pouvez regarder des films français ou la télé française, pour qu'on aille vraiment vers un français international. Deuxième chose, Joanie, j'aimerais que tu commences à venir répéter avec des grandes jupes ou des robes, parce qu'on est du 19e siècle, fait que pour que tu commences à t'habituer, la gestuelle va changer, etc. Et puis, c'est bien que tu comprends où est-ce qu'elle est rendue, mais si tu peux essayer de ne pas faire de pause, des fois dans ta phrase, tu fais des pauses, puis tu es borderline de jouer les mots, ce que j'appelle. Fait que tu vois, des fois c'est la même pensée, fait que pas de pause. Ça marche, sinon c'est une bonne répète. Question? Pas de question? Merveilleux. OK, merci tout le monde. Et puis, on se voit bientôt. All right. Tu es avec nous au café? Non, pas aujourd'hui. OK, à demain. Bye. Bye, Charles. Salut, Guy, bravo. Salut, Joanie. C'est à quoi je pense quand je répète avec Guy. Joanie, je t'ai dit, Joanie, pas ici. Je suis ton prof d'université. Ouais, mais moi, je t'appelle. OK. Est-ce que je te vois ce soir? Non. Je sors avec Pat ce soir. T'en as plein ton casque. Ah, mais théorie. Ah, ouais. Excusez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de Joanie? Non. Non? OK. C'est cool. Salut Joanie, c'est Charles. C'est juste qu'on avait une répète à midi, il est midi 10. Fait que c'est Mademoiselle Julie. Tu es Mademoiselle Julie. Si t'es pas là, on peut pas répéter. Fait que j'espère que t'es en route. OK? Bye. J'étais refusée à New York. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Pourquoi? J'ai jeté la lettre. Il y a d'autres écoles. Mais c'est celle-là que je voulais aller. Parce que c'est la meilleure, puis parce que c'est là que tu avais étudié. Qu'est-ce que tu vas faire? Joanie? Pourquoi tu viens pas habiter ici? Hein? Je
pourrais te prendre comme assistante toute l'année prochaine à l'université, puis en même temps, je te préparerais pour les auditions à New York. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que c'est une bonne idée. Je veux vraiment qu'on habite ensemble. Là. Mais non, pas là, tu sais bien. Faut attendre la fin de la session. Tu veux pas qu'on te voit avec ton étudiante ou tu veux pas qu'on te voit avec une actrice poche qui a pas de talent? Je pense que j'ai pas envie qu'on me voit avec une actrice poche qui a pas de talent. Et toi? Oui, ça m'est arrivé une fois. C'était un atelier où, tu sais, bon, le professeur m'appréciait quand même. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi qui s'est mis à... Johnny? Johnny? Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Peux-tu continuer? Ça a bien été ta représentation. J'ai acheté des sushis. Si t'en veux, ils sont dans le fridge. Ça sent pas trop fort, mon vernis. Non, non, c'est parfait. Est-ce que tu savais que j'allais avoir du turquoise? Merci pour les fleurs. T'es ça? C'est des myosotis. Tu connais leur nom en anglais? Non? Forget me not. Forget me not? Pas de danger, madame. Thank you.
C'était pour une nuit, c'est sérieux. C'est beau, ça. Tu vas mettre ça sur ton prochain album? Je pense bien. As-tu fini un nombre de disques? Qui t'est arrivé, Charles? Ah! Ben écoute, je me suis battu avec un mur, puis c'est le mur qui a gagné. Sérieusement? Joanie a découché. C'est drôle, hein? Si tu te souviens, je t'avais toujours dit que je sortirais jamais avec une de mes étudiantes. Puis là, la seule fois où ça m'arrive, elle me chie dans les mains. C'était écrit dans le ciel. Écrit dans le ciel? Charles, c'est bien qu'elle n'est pas tombée en amour avec toi, c'est là. Elle est tombée en amour avec son prof d'art dramatique. Tu sais, quand t'enseignes, tu transmets des choses aux étudiants. Prendre contact avec une partie d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée. Puis des fois, ça arrive qu'ils tombent en amour avec celui qui réveille ça. Un peu comme un patient avec son petit. Puis toi, ben, t'es un acteur populaire. Que veux-tu? Mais c'est super réconfortant ce que tu me dis là, Nat. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de se faire réconforter par son enfant. Mais là, prends pas ça comme ça. Faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien, ils l'ont trompé. Après m'avoir obstinément refusé, quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, derrière, en lisant le perfil, et moi, comme un bonnet. Je
J'ai tout vu. J'ai tout vu. Tout fait. Tout usé. Et puis l'illusion s'est détruite. Désabusé. Toujours aussi beau ici. C'est toi qui as choisi la déco. Est-ce que tu reviens vivre ici? J'attends notre bébé. Quoi? J'attends notre bébé, je suis enceinte de toi. Comment tu sais que c'est le mien? Je sais, Charles. J'ai vérifié les dates, puis je me suis toujours protégée avec Jean-Seb. Ah. Jean-Seb. Il s'appelle Jean-Seb. Nice. Qu'est-ce que tu veux, là, Joanie? Je suis venue te voir pour savoir si tu accepterais que je revienne rester ici avec toi. Qu'on soit ensemble pour la naissance, puis qu'on essaye de former une petite famille toutes les trois. Bullshit. C'est de la merde, ça. Moi, je vais te dire ce qui est arrivé. Je pense que ton chum t'a mis enceinte. Puis il veut pas du bébé. Fait qu'il t'a calissé dehors. Puis toi, ben là, tu te retrouves dans la rue, tu sais pas où aller, fait que, ben, tu reviens ici. Tu me prends pour qui? Pourquoi c'est pas ça? Hein? C'est drôle, hein, je m'étais
toujours juré que jamais je sortirais avec une de mes étudiantes. Jamais. Puis je me souviens, la première fois que j'étais venu à l'université, là, ah, c'est-tu que je te trouvais belle. Puis je me suis dit, mon Dieu, en fait, qu'elle soit pas dans ma classe. Puis bang, tu t'es inscrite à mon cours. Puis là, tu t'es dit, hey, ce serait cool de sortir avec mon prof de théâtre. Puis en plus, hey, c'est un auteur connu. Il doit avoir des connexions. Charles. Puis là, ben regarde, ben, c'est sûr, là, tu finis ton bac, puis ton prof, il est bien fin, mais finalement, un petit jeune, ce serait assez le fun. Fait que, regarde, de toute façon, mon prof, j'ai fini mon bac, moi, de calice, là. Puis il me servait à grand-chose, j'ai pris de lui tout ce que j'avais à y prendre. Puis je vais aller m'en chercher un plus jeune, hein? C'est ça, mon agace! Parce que je te vois plus jamais en face! Merci de m'accorder l'entrevue. Ça me fait plaisir. Je te serre pas la main? Non. Écoute, veux-tu boire thé, café, jus d'orange, verre d'eau? Un verre d'eau, ça va être carré. Okay. Ouais, ben écoute, installe-toi, j'arrive, OK? OK, c'est bon. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes? Oui, oui, c'est juste ici, là, à gauche, avant les marches. Okay. Je t'ai mis ton verre d'eau. Merci. Comment ça s'est passé, au fait, jouer Figaro avec ta blessure? Ah, oh, ben, il me faisait une piqûre d'anti-inflammatoire puis d'antidouleur avant le show, puis je pouvais jouer à Can-Can. OK. Cool. OK, donc on va y aller. Commençant après le succès de Figaro. Toi, t'es pas venu ici pour m'interviewer, toi. T'es le chum de Giovanni. Ah, c'est ça, t'es le chum de Giovanni. Puis tu viens ici parce que t'en cherches. T'as du froid, en tout cas. Ben, regarde. Hey, je te parle. Joanie, ça fait des semaines qu'elle habite plus ici, puis ça fait des semaines que je l'ai pas vue. OK? Là, t'as tes réponses. Fait que je pense que l'entrevue est terminée, puis tu sais où est-ce qu'elle apporte. Ça marche?
minuit.